manager. Et... Ok. Ok. Yoshi-sian. Le Yoshi-sian, c'est le Yoshi préféré des Lyonnais, vous le savez. Et Rondoudou aussi en face. Oh lolo. Ok, ok. Est-ce qu'on est content? On est chaud, on se fist bump. Let's go. C'est parti pour la Game One. Oh, j'ai... C'est parti encore du PS2. PS2, c'est parti. Évidemment. Et ça commence déjà avec une grosse bagarre. Ça se rentre dedans. Trop bête. C'est Riddles qui a tout pris au début. Oh là, les Rondoudou, oh là là. Oh, l'Edgard qui part direct. Passe mage de base mage sur Jin. Vous avez déjà vu ici. On connaît les Edgards de Rondoudou, mais vous les avez déjà vus sur Rondoudou. Voilà, c'était il a rien pu faire. Terrible ce qui s'est passé. Déjà base mage qui dès le départ s'impose. Dit c'est moi le joueur top 20. Oh là 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 là, le reste directement casé. Oh, et une hésitation sur la punish côté Jin. Eh, ça fait 30 secondes. Ça fait 30 secondes, il a déjà pris deux stocks. 30 secondes avec Rondoudou. Ne pas dormir sur base mage, c'est très très important. Incroyable. Ok, on va avoir. Ok, on va remonter. Pas une troisième stock qui part pour rien. Go de son côté. On se fait pas avoir. On va surveiller Riddles aussi. Mais quand même très haut pourcent sur Riddles quand même. Ça peut partir à tout moment. Ouh, et on armor avec le Power Gazer. Et ça va péter la deuxième stock de Jin. Enfin le backer de Riddles. Ok. Enfin le backer de Jin qui va clore ça. Attention. Oh, ok, on va bien sortir du désavantage avec ce upper. Et les passes qui sont réalisées entre les joueurs lyonnais, on sent qu'il y a de la synergie. On sent qu'il y a de la synergie, on fait monter 55. On commence à revenir au stock. Back, il y a quand même beaucoup de pourcents. Il va falloir faire attention. Mais back, on l'a vu déjà hier en SFL. La DI de back, elle est phénoménale. Et back, c'est un joueur sérieux. Hein. C'est un joueur qui s'entraîne, qui réagit. Okay, oh, parfait. Oh, c'est. Back le petit prince, il a réussi à prendre un stock de Riddle, ce power dunk, et après ça il allait down air offstage pour clank. Il a pas osé trop taper dans le rondou dans le mid bass, hein. Il a non. Une bonne dash attack et c'est dommage. C'est une fin de stock pour Jin, alors qu'il a tenté le tout pour le tout avec la douille du neutral B de Yoshi offstage. Et pas de partage de V pour le moment visiblement. Bah en fait il avait... Ah oui non pardon, je regardais bas, c'est pour ça. Voilà. Oh, le shield break, sur Riddle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le temps de capitaliser sur cet avantage pour prendre le contrôle du stage, mais l'edge guard devra être coupé court face au mix-up de nos deux joueurs. 3 stocks à 1, c'est. On va dire c'est que tendu. Pour prendre des stocks early à ce rondoudou, il faut soit trouver des edge guards de malade, soit trouver un reste, mais une fois que tu trouves le reste, t'es mort. Tu dors et qu'il y a le deuxième qui est à côté. C'est difficile pour Jin qui se bat, qui s'accroche, encore une mais fois, ça ne suffira pas. Redite dès la première stock, base mage qui va aller edgeguard Jin avec beaucoup de confiance. Ok. Bah on va attendre de voir la suite des événements. On a quand même Jin et Bak qui ont su trouver des phases, qui ont su trouver des réponses dans cette game 1 et qui vont tenter le tout pour le tout sur la game 2. Exactement. Face aux deux joueurs top représentants de leur personnage. Ah, on part peut-être sur une autre map, Finito PS2. Ah, ce serait un des premiers counter pick de map qu'on voit dans ce bracket. Aïe 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 aïe. On va mettre toutes les chances de son côté. Aucun changement sur les picks, bien sûr. Yoshi. Chacun prend son main du cœur, on est confiant. Ok. On reste dans le Pokémon, mais cette fois-ci on part sur Kalos. Tout à fait, alors dès le départ, on se prend une sacrée pression sur le shield. Oh là là. Comment il a envoyé back au sol là. Et cette fois-ci, la stratégie du chaos semble pas mal profiter à nos deux joueurs lyonnais, back et Jin. Quoique, c'est très even, hein. On a le drill qui part. Et on a encore une phase d'edgeguard qui part pour base mage, mais cette fois-ci on a plus de place, on va pas mourir aussitôt. Ouais, et on a un trade de stock. Un trade de stock entre Riddles et back. Le drill de Jin ne va pas inquiéter Riddles tout de suite. Et c'est le down tilt Burning Knuckle qui va péter cette stock très très vite. On rappelle que c'est un des personnages les plus légers du jeu, Rondoudou. Et que Riddles. Il sait caler des coups explosifs. Aucune tech chase sur le down tilt de back, évidemment. C'est un perso très flotty, Rondoudou. Ok.
la Schubert tackle de Terry, il va faire le ménage. Oh là là, quel combo. Oh, ok, ça aurait été puni par Bach. Il lui a lancé dans le nez, reste direct. Malgré tout, ça aurait été un trade de stock car Bach aura puni malgré Riddle qui essayait de body block. C'était très joli tout de même. C'était magnifique. Ok, un edge guard. On continue l'edge guard côté Jin. Est-ce qu'on va réussir à le maintenir? Oh là là, le power dunk sera tech. Spike. Ça va, qu'on était à bas pourcent côté Jin. Ouh, on a failli envoyer également Bass Mage dans le. Ouais, il a failli se la prendre. Et pour l'instant, on est Bach qui tire son épingle du jeu face à Riddles. Le petit prince lyonnais. Qui connaît finalement. Ça, c'est le petit prince. Hein, imagine, on est en 2022, tu connais pas encore Bach. La Chuma. Ok, on se fait des petites passes. C'est coordonné. Eh, c'est plutôt even hein, finalement cette game. Riddles qui a d'autres réponses. Ouais. Riddles qui n'a d'autres réponses que dès qu'il a 3 frames devant lui de lancer un jab. Et parfois ça marche, mais. Et parfois c'est relativement safe, mais pour l'instant, il ne trouve rien de très significatif. Et 3 stocks partout. Léger avantage 2% pour la team Riddles Base Mage. On reprend le contrôle du stage. On a une belle stratégie de turtle en shield, voilà, en fait. Love sur Riddles, non, il arrivera à sortir, mais il n'arrivera pas à remonter. Et parfait. Partage de on vie. Oblige un partage de vie. Et là, okay. Si on arrive à finir. Si on prend Bass Mage assez vite, exactement. Ça peut devenir. Et là, il faut pas se faire edge guard. Faut pas se faire edge guard, on le connaît. Et on s'est pris le nerf. Oh là là là. Et ça va être Jin qui va perdre sa stock en premier. À présent, Bach. Allez, on l'a déjà vu faire ses comebacks. Bach, on l'a déjà vu le réaliser. Malgré tout, il est face à deux joueurs. D'un calibre sans précédent. Là, ça, le reste qui est loupé. Ce okay, sera pas fini. On s'en fera sortir par un petit coup de Riddles qui sait comment calmer le jeu. La bonne réaction, ouais, direct. Hein. À tout moment, ce neutral B de Bach, par contre, ça peut envoyer des Riddles offstage dans une position très inconfortable dans l'œuf. Le egg lay, ouais, bah, on rappelle. C'est clairement comme ça qu'il lui a pris la stock précédente. Hein. Là, Bach qui se fait jongler par qui sait très bien. Ok, il s'est quand même très bien mixé avec son drift aérien. Sortir, ouais. C'est un dinosaure bien habile. C'est mon ami et bien plus encore. Voilà, c'est compliqué. Ça le dernier arrive pas à trouver les adversaires. Il sait pas de quoi taper. Et de nouveau, ça va passer son adversaire dans le nez de Rondoudou. Et c'est une victoire. Très bien mené victoire. Par la team Riddles versus Base Mage, enfin Riddles et Base Mage, excusez-moi, qui vont ensemble envoyer en loser la team lyonnaise.